tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Sur ce, bon visionnage. Ça ne ressemble pas à Nati d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Comment peut-on considérer que rester debout derrière une caisse à compter les noix et avoir mis les... Nati doit être dans les parages. Réveillio. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. La baguette de Nati. Elle peut lancer des sorts sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action! Une porte cachée. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discrète. Je ne sors pas. La mort.
Un serpent cendre sans aucune aide. Nati doit être par ici.
Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète. Vous allez bien ? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre ami Nati n'a pas réussi à invoquer la baguette. Elle doit être bloquée quelque part. Réveille-toi. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. Allô, Mora. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci, mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Par devant, trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Réveillon. Revelio. Thank you.
Revelio. La lettre d'amour d'Otto Diebel pour Rosie. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Natsa Yonai, j'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Iskoreib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Reib va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai. Votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolar ont été menacés de mort par les Serpents Cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Reib pour faire chanter sa femme et Nati, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Diebel. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des Serpents Cendres. Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Harlow et la bande de Rockwood? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Les Serpents Cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel, après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les Centaures ? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivés. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses, c'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. Oui, c'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivés, et je suis sûre que tout va bien... Venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout! Nous venons pour
vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant que... Les vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc, le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure, après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Est terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!